Good morgen, allez, Daniel et Tushra, aujourd'hui les lunes Shmat Micharon, Ben Fortune Mazal et Arav Chaim Ben Yaakov Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Michel, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions un certain nid, Père Gimel, Mishnah Tet, Ayu mit Annin veyardulahem geshamim. Kodem hanetzachama, lo yashlimu. Lachar hanetzachama, yashlimu. Rabbi Eliezer omer kodem chatzot, lo yashlimu. Lachar chatzot, yashlimu. מעשה שגזרו תענית בלוד, וירדו להם גשמים, קודם חצות. אמר להם רבי טרפון, צאו ואיכלו ושתו ועשו יום טוב, ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ובאו בין הארבעים וקראו הלל הגדול. Dernière Mishnah, concrètement, qui va nous parler des pluies et des jeûnes qu'on fait pour la pluie, avec, à présent, le beau résultat, ça a marché. On a fait des tfilot Hachem, Hachem nous a exaucés. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Ayu mit anin, ils avaient commencé à jeûner. Veyardo lahem gshamim, et la pluie leur est tombée. Ils se sont réunis pour prier. Ils ont à peine commencé les prières et déjà Hachem les a exaucés. Alors quoi? La première avis nous dit comme ça, si c'est Kodem anetzachama, avant le lever du soleil, c'est-à-dire quand le jour il se lève au crépuscule, je sais pas, Benesh Machot quoi, à l'Otashacha. Et puis, il y a 1h12 après, jusqu'à ce que le soleil perce à l'est. Alors là, c'est le Tzadion et Netzachama. Donc, si la pluie est tombée au début de la journée, eh bien, l'Oyash Lemo, ils n'ont plus besoin de jeûner pour la journée. Par contre, si c'est les Achar Netzachama, s'ils ont été exaucés, mais après que la journée a démarré, après que le soleil se soit levé, eh bien, Yash Lemo, ils devront compléter leur journée. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit non. Kodem chatzot, lo yashlimu. Si ils ont été exaucés, leur tefila a été agréée avant chatzot, avant la mi-journée, alors lo yashlimu. Là, ils n'auront pas besoin de reprendre. Ils déplacent en fait la bande. Il nous dit, tu sais, pas depuis le net, depuis même jusqu'à chatzot, jusqu'à la mi-journée, eh bien, il n'y aura plus besoin de compléter le jeûne. Le'achar chatzot, par contre, si c'est après chatzot, alors il faudra continuer la journée. Pourquoi chatzot, chatzot? C'est l'heure du repas, concrètement, 11h30, enfin midi, à la midi, quoi. Et de ce fait, maintenant, si tu remarques qu'Hachem, elle sait prier parce qu'il aime tes tefilotes, mais d'un autre côté, il t'a pas fait retarder ton repas, donc dans ce cas-là, c'est qu'il voulait tes tefilotes, sans que tu jeûnes aujourd'hui, t'es exaucé, va manger, c'est bon, c'est fini. Mais si tu as dépassé l'heure, c'est qu'en fait, Hachem, il a eu pitié quand même, mais il n'a pas voulu répondre avec beaucoup d'entrain, donc dans ce cas-là, il faudra compléter la journée. D'accord? Ça, c'est donc, on a vu une marloquette, est-ce que c'est la borne, elle est fixée à Netzachama ou bien à Chatzot? Histoire maintenant. Amar Lamo Abitarfon, Abitarfon, alors, j'ai sauté une seconde. Maasé, il y a eu une histoire où, chez Gazrou Tanin Beloud, ils avaient décrété de jeûner à Loud, à la ville de Loud, et Veyardou Laim Geshamim Kodem Chatzot. Ils ont eu la pluie qui leur est tombée, Kodem Chatzot, avant la mi-journée, et le Rav de la Basse était qui? C'était Rabbi Tarfon. Amar Lahem Rabbi Tarfon, il leur a dit Rabbi Tarfon, c'est où veichlou ushtou, vous pouvez sortir, aller manger, aller boire, veasou yom tov, et faites un grand jour de yom tov, un grand jour de joie, qu'Hachem nous a répondu. Veyatsou, et effectivement, donc le peuple est sorti, veachlou, ils ont mangé, veshatou, ils ont bu, veasou yom tov, ils ont fait un grand jour de festivité. Ou Baou Ben Arbaim, et ils sont venus à la fin de la journée, à la Bet Knesset, ils sont venus, Vekarou Halel Hagadol, et ils ont lu ensemble le Halel Hagadol. Le Halel Hagadol, c'est le mizmor de Houdou Lachem Tito Kilom Chazdo, Houdou le Elohim Kilom Chazdo, qu'on lit le Shabbat matin, les 26 psukim avec le Kilom Chazdo. Et pourquoi il a fallu manger avant de faire le Halel Hagadol? Parce qu'il y a marqué là-bas dans le psukim, Notenechem Lechol Basar, il donne à manger à tous les êtres vivants, Kilolam Chazdo, ou de la Shamim Kilolam Chazdo. Donc de ce fait, avant de glorifier Hachem, il faut être insatié, ne pas être affamé. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlacha comme tout cela.